Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulo Mike et dans cette vidéo je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir réaliser le secret de Rebirth Island qui va vous permettre d'ouvrir 3 coffres en or. Donc voilà, alors déjà première chose qu'il faut savoir c'est que vous allez devoir récupérer des télécommandes dans les cellules des prisonniers. Donc moi ce que je vous conseille pour trouver toutes les télécommandes, c'est j'ai déjà joué à plusieurs, ça c'est clair, mais si vous êtes en solo c'est de faire cellule, bloc par bloc. Là, on est dans le bloc E. Donc, vous faites toutes les cellules du bloc E et vous cherchez après une télécommande. Donc là, on est dans le lobby, donc les télécommandes n'apparaissent pas normalement. Mais vous faites bloc par bloc et étage par étage. Parce que si vous commencez à aller à gauche, puis à droite, puis là-bas et puis là-bas, en fait, vous allez vous perdre et vous savez pas lesquelles cellules vous avez déjà vérifiées. Donc, vérifiez bien étape par étape les cellules, bloc par bloc pour avoir facile. Donc là, ce que je vais faire, c'est que quand la partie va se lancer, je vais chercher après les télécommandes et je vais vous les montrer. Ok, donc regardez, je suis arrivé dans une cellule et là, il y a une télécommande. Ce que vous faites, c'est que vous interagissez avec, vous appuyez carré, quoi, et ensuite, la lumière s'éteint. Si la lumière n'est pas éteinte, ça veut dire que vous n'avez pas interagi avec. Il faudrait interagir avec toutes les télécommandes comme ça. Il y en a 6 au total. Ok, donc là, j'ai trouvé la 6e télécommande, donc j'en ai trouvé 6 au total. Il faut savoir que si quelqu'un d'autre interagit avec, ça l'éteint aussi. Donc voilà, et il faut savoir que quand vous interagissez avec, ça peut aider les autres aussi à avoir le code. Parce que quand vous avez interagi avec les 6 télécommandes, vous montez ici, près de la prison, là il y a un téléphone qui sonne, vous répondez, vous mettez les sous-titres pour savoir le code. Donc là le code c'est 8, 4, 2, 1, 1 et 4. Normalement c'est un code, ah non il y a encore un chiffre. 4. Ok, donc en fait c'est un combo de 8 chiffres. Donc quand vous avez les 8 chiffres, donc quand vous avez le code complet, ce que vous faites c'est que vous pouvez aller dans les coffres. Donc il y a 3 coffres au total. Il y a un coffre qui se trouve près d'ici, juste ici où je mets le ping. Voilà, à Stronghold, à côté de Living Carter. Il y a un coffre qui se trouve à côté de Nova 6, donc juste ici. Tout en bas, et il y a un autre coffre qui se trouve, donc c'est pas grave hein, si vous mourrez, parce que vous pouvez réapparaître. Il y a un autre coffre qui se trouve ici, à côté de Deacon Zone, donc juste à côté du petit bâtiment là. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans le coffre qui est bien sûr toujours disponible et qui est toujours dans la zone, parce que bien entendu les autres sont hors zone, donc c'est pas intéressant que j'y aille. Donc hop, je vais me rendre à cet emplacement, je vais près du coffre, je rends le code qu'on m'a donné, donc 8 4 2 1 1 4 0 4, boum, ça valide le code. Là j'attends que ça s'ouvre et à l'intérieur j'ai énormément de loot. Donc voilà, le secret en soi n'est pas trop compliqué parce que enfin en tous les cas c'était mon premier essai et j'ai réussi du premier coup. Donc il n'a pas l'air d'être trop compliqué, mais c'est sûrement parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui connaissent le secret. Donc pour l'instant il est assez réalisable, même en solo, vous voyez bien que je suis en solo, je l'ai fait tout seul. Je suis mort 2-3 fois, voilà, c'était pas super compliqué non plus. Mais voilà, il est assez facile pour l'instant parce que à mon avis personne n'est au courant. Alors ici, il y a un gros coffre-fort qui s'ouvre. À l'intérieur, vous avez encore full truc, hein. Série d'élimination, masque à gaz, bonus de spécialiste pour avoir tous vos spécialistes pendant la game, drone, frappe de réapparition, coffre en or. Ah voilà, il y a vraiment full équipement. Donc si vous le faites à plusieurs, franchement, vous allez être full équipé. Si vous le faites en solo, vous serez quand même full équipé. Ce sera quand même plus facile de le faire à plusieurs comme ça. Par exemple, il y a des personnes qui surveillent, qui fouillent les cellules du bloc A, l'autre du bloc B, l'autre du premier étage. Enfin voilà, vous vous dispersez les cellules. Ensuite, quand vous avez activé les 6 télécommandes, vous allez près des télés. Vous allez près des télés. Bon là, je suis mort comme une grosse merde. Vous allez près des télés. Ensuite, vous interagissez avec le téléphone. Ensuite, vous prenez le code et vous allez rentrer le code là où il y a les coffres. Alors là, je vous ai montré un coffre qui était là. Je vais quand même vous montrer les autres emplacements des coffres. Donc, il y en a un qui se trouve à de ce côté-là. On va vite y aller. Je sais pas si je pourrais. Donc, il y en a un qui se trouve juste ici. Hop.
Je pense qu'il y a moins que j'aille le temps. Ok, elle est juste là. Donc voilà, il est assez visible. Donc, celui à côté de Living Carter. Et là, je vais vous montrer celui qui se trouve à Nova 6. Parce qu'il est peut-être un peu plus compliqué à trouver. Bon, là, je vais devoir relancer la partie. Et je vais vous montrer ça juste après. Et bien entendu, normalement, le code que vous recevez fonctionne pour les trois coffres, les trois portes. Donc ça veut dire que si vous faites ce secret, un seul code va ouvrir les trois coffres. Donc c'est assez cheaté, surtout si vous êtes en plusieurs. Dès que vous avez le code, chacun se dirige vers un coffre, il ouvre son coffre. Enfin, normalement, ça devrait ouvrir les trois portes. J'ai jamais testé, mais normalement, ça devrait ouvrir les trois portes. Le code est unique, donc voilà. Bien entendu, il change à toutes les games, hein. Mais voilà, si vous êtes à 3, ben boum, vous allez tous les trois à un coffre. Et en vrai, vous êtes refait. Donc ici, le truc de Nova 5, Nova 6, il est juste ici. Donc regardez, vous vous laissez tomber tout en bas. Attendez, je vais. Hop. Hop. Voilà. Et normalement, il devrait être ici, quelque part. Donc peut-être qu'il faut encore descendre d'un étage. Donc là je le vois pas. Ah voilà, il est là. Ouais, donc il faut vraiment bien descendre tout en bas. Et le dernier coffre se trouve ici et vous interagissez pour noter le code que vous avez obtenu par le téléphone rouge. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Swakul mec et ciao. Peace. Yummy, bruh. Yummy, bruh. Yummy, bruh. Yummy, bruh. Yummy, bruh.